des concerts, des spectacles, de la culture, des apéros, des cocktails, de la sueur, des collets serrés, des restos, des câlins, de la chaleur humaine pour 2021, si est-il le message du dessin de Matou que l'acteur Samuel Le Bihan a partagé sur son compte Instagram. Une publication accompagnée de ce petit mot de la star d'Alex Hugo, je vous souhaite une très belle année 2021. Un message plein d'espoir pour l'année à venir alors que 2020 a été durement marqué par la crise sanitaire. Entre confinement, déconfinement et reconfinement, le moral des Français a été largement plombé l'année dernière et d'autant plus pour les restaurateurs, les cafetiers et tous les acteurs du monde du spectacle qui n'ont que peu de visibilité sur leur avenir à l'heure qu'il est. Samuel Le Bihan veut retrouver une vie normale. Samuel Le Bihan, qui a pu reprendre le chemin des tournages à l'automne après avoir contracté le coronavirus, ne souhaite donc qu'une chose pour 2021, que tout le monde retrouve une vie normale et puisse à nouveau passer du temps auprès de ses proches, à partager un verre, un spectacle ou un restaurant avec des amis. Et son message d'amour a reçu beaucoup de commentaires positifs. On y croit, a répondu l'animatrice Séverine Ferrer. La reprise d'une vie comme avant. Concerts, théâtre, cinéma, restaurant, ça manque, ajoute l'internaute Iris Lacomété. Les spectacles, concerts, cinéma, bref les artistes nous manquent, un manque énorme, une faim énorme, ça devient insupportable. Si est-il un besoin comme la nourriture, la vie est vide sans les artistes, ajoute Ruth Grise. Ce jeudi 7 janvier 2021, 200 personnalités du monde de la culture dont Ariel Dombal, Nagui ou Grand Corps Malade ont lancé un appel dans Le Parisien en faveur de la vaccination.